Salut tout le monde, c'est Vilgordin85. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour un nouveau let's play sur Brutal Legend. Je vous l'avais annoncé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Départ d'un nouveau let's play qui, je pense, lui tiendra. Parce que je sais que j'en ai commencé plein. On me l'a dit dans les commentaires de la dernière vidéo que je vous avais demandé votre avis. Mais voilà, dès qu'il y a un jeu qui sort que je trouve qui pourrait être sympa à vous proposer, je le fais, voilà, et enfin je le prends et puis je commence des let's play. Après c'est vrai que pourquoi il y en a que j'arrête, pourquoi il y en a qui sont en suspens, parce que je vois que le nombre de vues diminue et j'ai l'impression que ça vous plaît pas, et comme il n'y a pas de commentaires, je sais pas si vous aimez ou pas, donc voilà. Donc du coup, on va se concentrer sur Brutal Legend. Donc j'y ai pas encore joué, là c'est la première fois que je le découvre, donc je le découvre en même temps que vous. Donc on est parti. Hop. Donc une nouvelle partie. On se met en normal histoire que voilà, on puisse faire un let's play tranquille et puis pas très difficile. Hein. On va pas se la faire à la Bob Lennon qui lui a pris directement en brutal pour la brutalisation tout simplement. Mais bon, Bob Lennon est un taré et puis pas moi. Mais je dis un taré pas méchamment. Hein. C'est un taré, mais on aime ça. Voilà. Donc on est parti. Regarde ça. Hé, hey, mec, regarde. Hé, hey, oh, Riggs. Désolé d'avoir bousillé ta gratte hier soir. Quoi? Elle est comme neuve. Waouh, comment t'as fait ça? La prochaine fois, j'essaierai de pas la défoncer. Enfin, pas trop, promis. Déconne pas avec ce mec. Il est pas net. Hey, dis, mec. Ça m'ennuie de demander, mais le manager veut savoir. Quand est-ce que tu vas nous faire, genre, un nouveau décor? Ce machin avec Stonehenge, c'est sympa, c'est rétro, c'est méga second degré, mais... Écoute, Eddie, j'ai du respect pour toi. T'es le meilleur, ok? Le meilleur Roddy du monde. Tout le monde sait que tu peux tout arranger, que tu peux tout fabriquer. Alors je me disais que tu pourrais peut-être faire un truc qui parle à notre cœur de cible, les ados. Enfin voilà, quoi. Tu sais, mec, un jour ou l'autre, faudra bien que tu rejoignes le monde moderne, non? Tu crois pas? Yeah! Vous voulez entendre du heavy metal ce soir? Je peux tout réparer, sauf ça. Le métal est mort. T'as jamais eu l'impression d'être né à la mauvaise époque? Genre que t'aurais dû naître avant? Quand la musique c'était... dans les tripes? Genre les années 70? Avant ça. Genre... le début des années 70. Oh oh. Ah, je t'avais dit de pas grimper à ça, espèce de bon à rien. Brutal Legend cherche à reproduire avec fidélité l'atmosphère authentique de la vie remuante d'un rowdy, ce qui peut parfois conduire à utiliser un vocabulaire un poil fleuri. Même Pepper en voit la purée. T'enfoiré de fils de pute. S'il pouvait s'étaler. Et merde! Ah bon, Roddy se démerde toujours pour que son groupe ait l'air cool. Pour qu'il soit en sécurité. Pour que le groupe fasse son boulot de groupe. Un bon Roddy, ça reste en dehors des projecteurs.
tu vois pas le Roddy, c'est qu'il fait bien son taf. De temps en temps, il doit monter sur scène pour régler un problème. Pour bidouiller un truc. Et une seconde plus tard, il a disparu. Bref, un bon Roddy. Ça s'écrase. Les gens comprennent des scènes sanglantes, un poil gore qui font intervenir à l'occasion des démembrements et quelques décapitations pour des raisons strictement historiques, scénaristiques ou pour faire classe. Bon allez, vous savez quoi, c'est une série qui est un peu gore, qui est un peu moins de 18 ans, on y va. Donc après cette super classe introduction, on va voir ce qui se passe. Mais franchement, j'aime beaucoup juste le début, l'introduction. Là, ça me donne envie de faire le let's play. Sincèrement, ça a l'air énorme. En plus, c'est bien métal, donc nickel. Oh. Hein ? Le jour tant attendu est arrivé. Nous allons servir notre maître. Hey. Je suis pas votre maître. Non, vous ne l'êtes pas. Ouh. Oh, j'aime cette musique. Ça, ça va être classe, je pense. Ouais, mais... Je connais bien le maître. On est des super potes. On se connaît genre depuis la maternelle. S'il m'arrivait quelque chose, il le prendrait super mal. Vous approchez pas de moi avec ces trucs. Hey, prends-la déjà. Ah désolé, je profite un peu de la musique. Ok. Pour le moment, je joue. Pour le moment, je joue à la avec la hache, mais je pense que merde. Mais je pense que après, je jouerai avec la avec une manette. J'essaierai la manette parce que là, hey, touche pas cette rate. C'est pas trop maniable, on va dire.
La petite décapitation. Oh. Foudroyeur, brasier maintien. Ok. Pour ceux qui reconnaissent la musique, moi je sais ce que c'est. Et pour ceux qui reconnaissent la musique, mettez-le dans les commentaires pour voir ceux qui s'y connaissent vraiment en rock et en métal, ça serait cool. Hop, let's go. Alors, en maintenant space, tu peux parer la plupart des attaques ennemies. Okay. Je sais pas comment on change d'arme alors. Bim. Ah, t'es pas fini d'en bas. Voilà. Ce power shore déchire tellement sa mère que tout est chamboulé alentour. Alors, ok, appuyez sur. Pour un séisme. Ok. Ça, c'est du rock. Vous aimez ça, hein? Hey, hey. Là, bim. Ça, c'est franchement génial. Là. Oui. Encore toi. Intéressant comme début quand même. Ah oui, quand même. Ah ça, ça a pas l'air très très sympa, ça, ce qui arrive. À moins que ça nous vienne en aide, mais... Ouais, je te vois venir, toi. Gros comme une maison. Je suis censé croire que t'es une nonne alors qu'en fait t'es rien qu'un gros démon dégueu. Alors au boulot. Ah ah, je le savais. Un gros démon dégueu. Oh, les doigts. Mais sexy, c'est bizarre. Oh la vache, c'est qu'elle fait mal en plus. Tiens, barrez-vous, bordel. Paraît que ça porte malheur de faire une note. Je ferais mieux. Ouais. Allez, toi là. Hop, 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 hop. Décapitation de l'infini. Ok, donc. Hop, du coup, je pense qu'on doit aller là. Ok, bon, bah... il va alors. Putain, faut que je fasse un truc. Voyons ça. Diabolique. Oh, puissance. Majestueuse. Reptilienne. Non, pas céleste. Méphitique. Cher, attends, ça va, ça, cher? Oh, démoniaque. Être de... démon souterrain. Autorité démoniaque. À l'attention de... mon dieu... je veux dire, mon diable. Merde, c'est dur. Cher démon diabolique et vicieux, et de l'abyssal. Désolation. Transporte-moi sur cette super pile de cadavres. Je ne suis qu'un humble visiteur dans votre monde, que certains qualifient d'infernal. Mais j'admets que c'est plutôt l'histoire. Oh seigneur des trucs en latex, des combis en cuir,
Vous avez un vrai style. La nonne de combat, elle était sexy. Désolé de l'avoir butée. Mais vous êtes diabolique. Votre bonté. Je veux dire cruauté. Votre cruauté. Aïe, fils de... Oh, super parade, les mecs! Vraiment cool! Bon, bah, je peux pas lutter, je dois attendre. Hein. Ok! Putain! Me dis pas que je zigouillais des bombasses depuis le début! Lâche! Alors, toi aussi, t'es venu pour ça? Non, mais ces gars m'ont sauté dessus et... Deux secondes. Et elle était posée là, alors. Tu la manies vraiment très bien. Ouais, c'est un peu bizarre, non? J'avais jamais touché une hache avant. Qui es-tu? Eh, hey, sur ta droite. Faut qu'on se tire d'ici, avant qu'il arrive. Carrément. Approche ton allié, appuie sur E pour faire équipe. Associe-toi avec tes alliés pour effectuer... De puissantes attaques en coopération. Ok. Attends, avant que qui arrive? L'empereur d'Oviculus. Qui? L'empereur d'Oviculus, mais tu sors d'où, toi? C'est compliqué, à droite, à gauche. Il est sur la route. Moi, j'y vais tout le monde. Il va être là quand il arrive. C'est quoi le problème? Déjà, encore toi, là? Oh, bon Dieu. Okay. Tiens. Alors, c'est quoi ton nom, déjà? Bien, faut courir. Ok. Moi je bourrine tout ce qui arrive. Tiens. Envoie valser tes ennemis et fais-leur bouffer une bonne tranche de roc. Hop, hop, ok. Très bien. Suis-moi. Ok, ok. Par là. Il faut qu'on atteigne la porte avant... J'ai pas tout compris, mais bon. Trop tard. Jette un œil dehors. Ah. Ouais, y a pas mal de monde. Ça veut dire baston, ça. Probablement. On est où, là? Le temple d'Ormagoden. Il renferme une puissance ancestrale, mais personne ne sait à quoi il sert. Ormagoden. Ça a l'air bourrin quand même. Une plante particulière pousse là où la terre cache des trésors légendaires. Joue ce solo près de cette plante pour révéler des structures et des monuments ancestraux. Maintenez. Ok, A. Et sélectionne le solo révélateur de reliques dans le menu. Ok. Hop. Allez, hop. Alors. Hein? J'ai fail. Mais ça marche pas. Chut. Ok. C'est un coup à prendre, hein, franchement. Allez. Allez. Voilà. Allez. Hop. Alors. Ah, elle est bouillante. Faut que j'attende qu'elle refroidisse. Oh merde. Bon, on va attendre. Allez. Bah, je pense que la prochaine fois, je jouerai à la manette. Hein, parce que sincèrement, si on peut jouer à la manette, je le ferai. Hein, parce que c'est assez chiant. Hop. Je préfère pas me cramer les doigts. Putain, j'arrive pas à faire ce solo à la con.
Alors... Putain, si j'arrive pas à faire un solo, c'est grave. Allez. Putain, c'est chiant avec la souris, hein. Alors... Faut que je laisse Clémentine refroidir. Faut que je laisse Clémentine refroidir. Mais je comprends pas, en fait, le au niveau des touches. Donc, je veux bien, mais... Alors, attendez. Ben oui, je comprends pas. Ok, ben, je viens de réussir. Je comprenais pas comment ça fonctionnait, mais je viens de réussir. Qu'est-ce donc, que t'as fait mais... J'ai créé la beauté par... Ah. Ça, ça annonce une belle caisse, bordel. Un chariot? C'est la Destroy Mobile. Destroy. Je te montre comment ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est la lancer. Bon, oulalala. Elle a, eh ben, elle a déjà démarré. T'as réveillé l'esprit de la bête elle-même. J'espère bien. Ça va être bourrin, à mon avis. Ce temple mobile, héritage des titans, ne peut être assemblé que par ceux qui en sont dignes. Mettez les gaz Z, frein et marche arrière S. Ok. Let's go. Oh yeah. C'est beaucoup. Faut qu'on atteigne le pont avant qu'il ferme les portes de la mangeoire. La mangeoire? Qu'est-ce qu'ils nourrissent? Si on est assez rapide, tu n'auras pas besoin de le savoir. Okay. C'est quoi ce truc à pâte? Ils ont appelé des renforts. Mais pourquoi un truc si puissant? Hein? Peut-être parce qu'on est des putains de brutes! Ou alors l'empereur tête de mort a une dent contre toi! Ok, jusqu'ici j'ai rien dit, mais cet endroit est taré! Yeah! Les temps sont durs pour notre terre, mais certains d'entre nous luttent pour changer les choses. C'est pour ça que t'es venu? Pour rejoindre la lutte pour la libération Merde. De l'humanité? En fait, faut les éviter, ces trucs, on peut pas les détruire. Et pour le moment, c'est l'explication la plus rationnelle que j'ai entendue. Okay. Oh, c'est pas vrai! Vous commencez à me gonfler, les mecs! Bon, moi je zigouille ces mecs et toi t'ouvres la porte, ok? Ok. Putain, elle est parfaite. Oh, c'est classe ça comme truc. Cet enchaînement est sympa. Oh, désolé. Tu connaissais ces gars? Appuie sur Shift pour déclencher la nitro. Ok. Sacrifie un peu de maniabilité au profit d'une bonne bonus de vitesse. Let's go. Deux secondes les gars. Non, désolé, j'ai eu un coup de téléphone et j'avais oublié de le mettre en silencieux, je suis désolé. Donc on est reparti. Hop. Je sais pas ce qu'on fout là. Mais je crois qu'il faut qu'on se barre. Maintiens space en tournant à fond pour faire un demi-tour. Fais un virage 180 degrés quand tu as lancé à pleine vitesse. Ok. Ah ouais, c'est classe. Ok. Let's go.
crois s'il faut qu'on aille le frapper, j'en sais rien. Allez là, là. On joue sans savoir, je sais pas s'il faut faire. Je sais pas s'il faut faire alors. On va tourner autour, je sais vraiment pas s'il faut faire donc. On va voir, je suis un peu paumé là. Ça va ta gueule maintenant? Comment il cause le gars? Ah, pas encore! Putain! Merde! Ah, ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse. Bah oui, mais attends. C'est que c'est pas très maniable sur bagnole là. Hein. Merde. Allez, vite. Garde ce vilain muscle dans ta bouche à l'avenir. Ok, alors. Pas très maniable mais ça va au final. On sera mieux avec la manette hein, je vous le dis. Allez. Là. Tu t'es encore fait avoir la preuve. Ouais ouais, je t'ai entendu. J'ai super peur. On a eu un petit accident de voiture, mais bon, c'est pas très grave ça. Let's go. Tiens. Terminé les French Kiss. C'est quoi un French Kiss? C'est la porte est ouverte. Hein? Ah oui, la porte. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas, je crois que t'as un cheveu sur la langue. Viens par là, sale ver affreux et puant. Viens là, et bats-toi que je puisse rincer ma lame dans ce putain d'entrail. Viens par là. Par ici. C'est quoi le problème? T'es miro ou quoi? Abaisse la porte, vite! Ouais. J'attends! Décapitation! Voilà. Elle est morte. Okay. Et toi? Maintenant, je vais te montrer le... Voilà. Bon, maintenant, je vais te montrer le French Kiss. Je crois qu'il a pris caca. Enfin... Oui, il lui a vomi dessus, il a fait caca et puis en plus il pète tout alors. Let's go. Le pont s'effondre derrière nous. T'inquiète pas, on a largement... Ah merde, le pont s'effondre vraiment. C'est juste un dodane. On a passé le plus dur. Fais gaffe à ce trou à gauche. J'allais pas tomber dedans. Tu m'as pris pour un amateur? Pas un petit peu quand même. Ces trucs sont cons.
On a eu de la chance pendant deux secondes. Hey, m'a tapé l'éclipse. On regarde la route. Oh oh. Les côtés, les côtés. Oh oh. Y'a un requin. Défaite brutale. J'ai totalement fail en fait. Il parle avant de. On recommence peut-être. Ok. Le pont s'effondre derrière nous. Ben, c'est reparti. Largement... Ah merde, le pont s'effondre vraiment. C'est juste un donut. On l'a passé le plus dur. Allez, mais les gars. Allez, pas tomber dedans. Tu m'as pris pour un amateur. Allez là, mets les gaz. T'as fait ça? Putain, ces trucs sont cons! Serre à droite! Qu'est-ce que j'allais faire? On se détend? Sur les côtés là. Hé, hey, m'a tapé l'éclipse! Regarde la route! Oh oh! Les côtés! Les côtés! Ouais, c'est bon, t'inquiète. Voilà. Mais non, c'est dégueulasse là. Ah, je rage en plus. Merde. On va prendre la manette pour le prochain épisode, hein, parce que sincèrement. Le pont s'effondre derrière nous. T'inquiète pas, on a largement le. Ah merde, le pont s'effondre vraiment. C'est juste un donut. On a passé le plus dur. Fais gaffe à ce trou à gauche. J'allais pas tomber dedans. Ok, concentration, si je parle pas beaucoup les gens ne m'en voulez pas trop. Hop. T'as vu ça? T'inquiète pas, j'ai un plan. Le plan c'est de tomber. Bon, on va quand même essayer de gérer. Oh putain, on va passer une heure juste pour le premier épisode, sérieusement. Allez là, on passe le pont et puis après... Ah merde, le pont s'est fendu. Alors vraiment. À droite. C'est juste un donade. On a passé le plus dur. Allez, mais mets le turbo aussi là. J'allais pas tomber dedans. Tu m'as pris pour un amateur. Ouais. T'as vu ça? Putain, ces trucs sont cons. Oh, on est passé large. Qu'est-ce que j'allais faire? Enfin, on n'est pas passé large justement. Mais putain, allez là. Regarde la route. C'est chiant ça, putain. Vivement que je sois à la manette, hein. What? Putain. T'inquiète pas, j'ai un plan. Mais non, mais... Ce premier épisode, c'est vraiment... des fails tout le temps, mais en même temps, je suis pas à la manette, là. Putain, si j'avais su, j'aurais pris la manette, hein, parce que... C'est pas du tout facile à contrôler sans la manette, hein, je vous le dis. Le pont s'effondre derrière nous. Allez, concentration, on va pas la faire sur 50 000 fois cette mission. Le pont s'effondre vraiment. C'est juste un donut. Allez là. C'est le plus dur. Fais gaffe à ce trou à gauche. J'allais pas tomber dedans. Tu m'as pris pour un amateur. Allez là. T'as vu ça? Putain, ces trucs sont cons. Allez. Qu'est-ce que j'allais faire? On se détend. Hey, il m'a tapé l'éclipse. Regarde la route. Oh oh. Les côtés, les côtés. Ouais, ben j'essaye ma grande, mais c'est pas facile avec avec le guidon dans ce sens-là. À droite. Ouais, comme ça, remarquez. Mais... Allez, hop là, allez. Ok, c'est le dernier saut. Désolé, encore un. Lève les mains pour celui-là. Oh oh. Ouais, enfin bon, on était mal parti. Hein. Franchement, heureusement qu'il y a la cinématique, parce que je pense qu'on aurait été niqué. Hein. Elle te plaît, ma caisse? Carrément. J'ai hâte de la montrer à Lars. Doviculus, ils disent que c'était Ormageddon, la bête de feu lui-même. Non. C'est bien pire que ça. C'était Sucoria. Je sens l'odeur de son sang. L'ère de la douleur est arrivée. Mais
Mais pourquoi est-elle de retour? Que veut-elle? La guerre. Enfin. Je sais pas comment il peut voir, lui, mais bon, il voit. On devrait continuer. On sera à l'abri à Bledenge. Tiens, prends cette carte. Bah écoutez, on va aller... Non, on ira la prochaine fois. Parce que sinon... Allez. Pourtant, je clique. Ok. Bah les gens, on va se laisser là pour... ce premier épisode, on ira la prochaine fois. Ok. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode donc, de ce Let's Play. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer à la manette ou on va regarder dans les réglages parce que l'angle de caméra et la sensibilité de la sensibilité de la souris est vraiment bof. Et quand on conduit, c'est vraiment difficile de faire au clavier. Donc, je vais tester à la manette et puis on verra ce que ça donne. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, likez, commentez, partagez. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne. Enfin, tout le speech habituel que je fais en fin de vidéo. Mais voilà. Merci à tous. À la prochaine. Ciao tout le monde.